Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Diamond Platnumz, également connu sous le nom de King of Bongo Flava, est un artiste bien connu en Afrique centrale, notamment à l'Est. C'est un musulman de Tanzanie avec le nom de famille Nasib Abdul Juma Isaac. Nasib travaille comme chanteur, compositeur, danseur et acteur. Il est également un philanthrope et un homme d'affaires qui contrôle un certain nombre de chaînes médiatiques. L'artiste africain bien connu est également connu sous le nom de Simba, qui se traduit par « lion » en swahili. Parce qu'il aime les automobiles flashy et les plaisirs, il est également connu sous le nom de Shuba Dangote. Continuez à regarder la biographie de Diamond Platnumz pour en savoir plus sur sa famille, ses ex-petites amies, ses maisons et d'autres détails. Nasibu Abdul Juma Isaac, Diamond Platnumz, est né le 2 octobre 1989 au domicile de ses parents à Tandal, Dar es Salaam, Tanzanie. Pendant de nombreuses années, les gens pensaient qu'Abdul Juma était le père de Diamond, mais ils ont découvert plus tard qu'Abdul était son beau-père. En revanche, Salome Idinyange est son père biologique. De plus, il a non seulement deux sœurs, la reine Darlene et Esma Platnumz, mais aussi un frère nommé Ricardo Momo. La vie amoureuse de Diamond a été pleine de hauts et de bas. Au départ, il était en couple avec une femme d'affaires nigériane nommée Zari Hassan. Il l'a épousée et ils ont eu deux enfants, Tiff et Niyan. Ce mariage, cependant, n'a pas duré longtemps et le couple a choisi de se séparer. Tanasha Donna, mannequin et chanteuse kényane, était la deuxième épouse de Nasibu. Leur mariage était considéré comme l'un des plus chauds du Nigeria. Ils ont prévu un mariage pour 2019, mais malheureusement, une bagarre a mis fin à leur mariage. En octobre 2019, Nasib Junior est entré dans leur vie. Il a également été révélé que Diamond Platnumz avait une autre femme dans sa vie nommée Amisa Mobeto, avec qui elle était sortie pendant quelques années et avec qui elle avait maintenant un enfant nommé Dylan. La valeur nette de Diamond Platnumz est d'environ 5,14 millions de dollars. La valeur nette de Platnumz est d'environ 5,14 millions de dollars selon NetWorthSpot. La valeur nette définitive de Diamond Platnumz est inconnue. Sa valeur nette est d'environ 5,14 millions de dollars, selon les experts de notre site. Cependant, le montant exact est inconnu. Cependant, d'autres ont émis l'hypothèse que la valeur nette de Diamond Platnumz serait probablement bien supérieure. Avec ses sources de revenus supplémentaires, la valeur nette de Diamond Platnumz pourrait être plus proche de 7,2 millions de dollars. Le salaire annuel de Platnumz s'élève à 1,29 millions de dollars. La chaîne YouTube de Diamond obtient en moyenne 21,43 millions de vues par mois et 714,37 000 vues chaque jour. Les chaînes YouTube monétisées gagnent de l'argent en affichant des publicités pour 1000 vues de vidéos. Les chaînes YouTube peuvent gagner entre 3$ et 7$ par millier de visionnages de vidéos. Sur la base de ces informations, nous estimons que la chaîne YouTube Diamond Platnumz génère 85,72 milliers de dollars de revenus publicitaires par mois et 1,29 million de dollars par an. Cependant, 1,29 million de dollars par an peut être une sous-estimation. Diamond Platnumz pourrait gagner près de 2,31 millions de dollars par an sur le haut de gamme. Les youtubeurs sont rarement une seule source de revenus. Les youtubeurs qui réussissent sont également des sponsors et peuvent gagner de l'argent supplémentaire en faisant la promotion de leurs propres articles. Ils pourraient également réserver des allocutions. Le Diamond Platnumz de Tanzanie aurait acheté une nouvelle maison, selon des sources médiatiques. Le producteur de la chanson à succès Nitampata Wapi qualifie sa nouvelle propriété de « State House ». Le musicien aisé s'est rendu sur son compte Instagram pour présenter des photos de son nouvel investissement, ainsi que des mots qui montrent clairement à quel point sa propriété est chère. La star de Bongo a fourni des mises à jour incrémentielles du temps depuis le début de la construction de la maison jusqu'au point où elle se trouve actuellement. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.